qui sera une vidéo favori. Donc c'est une vidéo que je n'ai pas faite sur la chaîne depuis très longtemps. Avant j'en faisais, je pense, même tous les mois. Enfin, il y a quelques années j'en faisais presque tous les mois. Et là, bah, ça fait super longtemps que je ne vous ai pas présenté de favori. Donc aujourd'hui je vous reviens pour vous parler de pas mal de choses. On va pas forcément parler lecture, on va parler de thé, de créateurs, d'illustration. On va parler de nourriture, enfin voilà, pas mal de petites choses. Donc je vais tout de suite commencer, vous allez voir, c'est un vrai melting pot, donc il y a un petit peu de tout dans cette vidéo. On va commencer par des petits bijoux, puisque dernièrement j'ai fait un petit craquage sur une boutique qui fait de la pâte Fimo. Et c'est une boutique qui fait de la pâte Fimo très très finement, puisque j'avais acheté ces boucles d'oreilles Harry Potter. Voilà, on a un petit Harry qui est extrêmement bien fait. Enfin, c'est vraiment très très fin au niveau du souci du détail. Je ne sais pas comment cette personne a fait, mais je trouve ça absolument fabuleux. Elle a d'autres créations, des créations un petit peu de Noël ou des petits elfes, des petits lutins. Et je vous avoue que j'hésite à recraquer dessus. Mais pour ça, il faudrait que j'utilise cette boucle d'oreille, parce qu'en fait, j'ai tellement peur de les abîmer que je les mets jamais. Et donc, c'est un coup de cœur parce que je les regarde tous les jours. Je les trouve magnifiques, je trouve le travail exceptionnel, mais je ne les ai pas encore mises en fait, c'est un petit peu honteux. Je vais plutôt les porter et je pense que je craquerai quand je les aurai bien portées et voir si elles tiennent bien, etc. Donc je peux juste vous dire qu'elles sont magnifiques, que j'ai envie de craquer sur la boutique. On va rester avec des créations et dernièrement vous avez vu sur la chaîne dans mon dernier vlog que j'ai craqué sur la boutique de Boca Debra, qui est une boutique absolument fabuleuse, qui fait des illustrations vraiment dans mon style, enfin dans le sens où ce sont vraiment les couleurs que j'aime, un côté un petit peu sombre que j'aime. J'adore. Et donc il y a notamment ma favorite qui est Sherlock. Voilà, c'est absolument fabuleux, je trouve ça vraiment sublime. Et alors il y a celle-ci, Harry, Ron et Hermione. Voilà, c'est vraiment très très beau, donc j'aime beaucoup. J'en ai pris plein, j'ai fait une razzia pendant les soldes, en fait elle avait tout soldé à 50%, du coup forcément j'ai craqué. On va rester dans les créations, j'ai craqué sur la boutique de, comment il s'appelle, Holy Child Arts. Je me suis un petit peu perdue un jour sur Etsy, comme ça m'arrive souvent, je sais qu'il y en a qui se perdent sur d'autres sites, moi c'est sur Etsy. Parfois je tape hérisson, parfois je tape forêt, ou voilà, et puis je me perds, je suis à la page 50 et je trouve des choses absolument merveilleuses. Et ce petit renard, voilà, qui est très très mignon, qui est hors de ma bibliothèque, c'est vraiment tout ce que j'aime, l'univers de la forêt, l'univers des couleurs un petit peu forestières justement, le brun, le rouge, c'est tout ce que j'aime. Et je voulais vous montrer, mais ça va pas forcément vous avancer puisque ne vend pas ses créations, mais quelques créations de mon amie Céline qui fait de l'aquarelle. Et dernièrement elle m'a offert un marque-page en l'honneur de ma chaîne. Et elle a notamment écrit le nom de ma chaîne, je trouve ça vraiment très très beau. Je vais pas tous vous les montrer là à l'instant puisque bah, je les ai montrés dans mes vlogs, mais je ferai peut-être des petits close-up pour vous montrer. Donc ici on a le petit renard avec un univers un petit peu automnal et ma petite carte de Noël. Voilà, qui est vraiment très jolie, donc je vais essayer de faire aussi des petits close-up. Pour son univers vraiment très très doux, vraiment ses créations sont magnifiques, j'espère qu'elle les vendra un jour, et c'est pas uniquement parce que c'est mon amie d'amour que je la présente, mais vraiment parce que je suis très charmée par le travail et le choix des couleurs, notamment sur les feuilles et les fleurs, je trouve ça vraiment très 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 beau. On va parler maintenant série télé, je suis un petit peu rouge parce que le facteur a sonné pendant le tournage de cette vidéo. Donc on va parler série, cette année j'ai regardé énormément de séries, ben, comme beaucoup de gens je pense. Je vais pas faire un récapitulatif de toutes les séries que j'ai regardées parce qu'il y en a vraiment énormément, il y a du bon, il y a du très mauvais, il y a un petit peu de tout, donc je pense que ça risque de durer 3 heures, il faudrait une vidéo entière pour vous parler de toutes les séries que j'ai regardées récemment. Mais mon dernier énorme coup de cœur, ben, c'est The Crown. En général, ben voilà, ça vous apprend pas grand chose puisque c'est une série quand même assez connue, mais j'avais quand même envie de partager ça avec vous. Je suis amoureuse de l'Angleterre, moi c'est vraiment, enfin voilà, je pense que c'est parce que j'ai des racines aussi là-bas. Voilà, je suis très amoureuse de ce pays et ma grand-mère notamment connaît la généalogie mais par cœur, et du coup on connaissait déjà les histoires qui allaient se passer. En fait il y a plein de trucs qu'on savait déjà, mais rien à faire, cette série est absolument somptueuse. Déjà au niveau de l'esthétique, je trouve que vraiment les couleurs, le détail du décor, vraiment les plans sont magnifiques. Je ne suis pas spécialiste, mais je trouve ça magnifique. Le jeu d'acteur extra également.
Voilà, ça c'est vraiment la découverte de ces derniers temps. C'était vraiment une série qu'on regardait tous les jours un épisode. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, ça présente non seulement des détails sur la vie royale, hein, de la famille royale, mais ça parle aussi d'histoire. Et du coup, ça raconte un petit peu ce qui se passait à l'époque en Angleterre. Enfin voilà, notamment l'épisode sur le fameux smog qui a eu, qui a causé tous des morts. Je savais pas du tout ça. Et donc voilà, je crois qu'un de mes personnages préférés, c'est le personnage de Churchill. Il est extrêmement bien joué. Il m'a tellement touchée, ce personnage. À chaque fois qu'il apparaissait, je me mettais à pleurer. Enfin, de toute façon, à chaque épisode, je pleurais. Hein. Je suis une vraie. Je suis hyper sensible avec ce genre de choses. Et là, vraiment, la série de Crown, c'est vraiment un peu un déchirement de l'avoir terminée. Donc j'attends la suite avec énormément d'impatience. Et toujours dans mes favoris, on est en train de re-regarder la série This Is Us que j'avais découverte il y a un an maintenant. Et pareil, c'est une série absolument magnifique qui parle de trois jeunes gens qui ont chacun une vie différente. Il y en a un, il est père de famille. Il y en a une, elle travaille avec son frère qui est une star de la télé. Et on suit ces trois personnages et on suit parallèlement un petit couple qui va avoir des enfants. Enfin, je peux pas trop développer parce que j'ai pas trop envie de spoiler. Mais c'est une série absolument magnifique que je suis en train de re-regarder avec mon compagnon. Je savais pas qu'il allait accrocher. En fait, il aime beaucoup. C'est très très bien joué. C'est très beau, de très beaux messages. Et à chaque fois, on pleure, bah forcément. Même si c'est pas triste, hein, mais moi, je suis hyper sensible à ce genre de choses. Et donc, je pleure à chaque épisode. Voilà. On ne serait pas sur ma chaîne si on ne parlait pas de thé, puisque je voulais vous présenter 2-3 thés que j'ai beaucoup aimés dernièrement. Le premier, c'est une tisane que je vous avais présentée, il me semble, dans un vlog, mais je sais que vous n'êtes pas tous à regarder les vlogs. C'est la tisane Nuit Céleste de Terre d'Oc. C'est une tisane absolument délicieuse que je bois le soir. C'est une tisane qui n'est plus disponible sur Nature et Découverte, parce que c'est là que je l'avais achetée, mais il y a moyen, je pense, de l'acheter sur le site. Donc en magasin, ils ne l'ont plus, mais sur le site, il y a encore moyen de l'acheter. Donc au niveau des ingrédients, on a de la menthe, c'est ce que j'aime beaucoup, mais on a quelque chose aussi de très doux et un petit peu réconfortant, sucré, avec les mangues, la citronnelle, la cannelle, le citron confit. Et il me semble qu'il y a de la fraise, en tout cas, il y a de la cerise griotte, de la framboise. C'est vraiment délicieux, enfin, c'est très très doux, un petit peu sucré, un petit peu mentholé, très très doux avant d'aller dormir. Moi j'adore et c'est vraiment ma tisane favorite. Pourtant je suis pas très tisane, moi je suis plus thé vert, thé bien, j'adore le thé vert de base, le thé vert sans arôme, mais j'aime bien aussi quelques-uns que je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer 2 thés de la marque Chahuté. Si vous me suivez sur les vlogs, vous les avez certainement déjà vus. Il s'agit du thé vert bleu qui est un thé vert, rhubarbe, cerise, fraise et figue, et je pense que c'est le thé parfait en fait, quasi parfait puisque je cherche encore la perfection. C'est presque le thé parfait, c'est un thé absolument divin, très fruité. On sent bien la fraise, c'est pas écœurant, c'est vraiment délicieux. Et sinon, j'ai dans ma dernière commande que je vous ai présentée dans mon vlog dernièrement, il y avait le French Kiss Bio qui est également chez Chahuté. Ils ont un site internet où on peut commander. C'est un mélange de thé vert, thé blanc, jasmin, piment, fraise, lavande et guarana. Et ce que j'adore, c'est non seulement la fraise, parce que c'est passion fraise dans les thés, je pense que voilà, je pense que c'est ce que je préfère dans le thé. Mais ce qui est très très bon, c'est la lavande qui vient rajouter un petit côté, une petite amertume comme ça, délicieuse. Et alors le piment, un petit coup de boost comme ça que j'aime énormément. Voilà, j'aime beaucoup ces deux thés. Pour rester avec les thés tisanes, j'aime également, bah là je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps mais j'avais vraiment envie de vous le montrer, c'est une tisane pour quand on est malade, c'est le calme tout des jardins de Gaïa. À chaque fois que je fais ces tisanes, mon compagnon en réclame, mais moi je la fais quand je suis malade, donc bah, il peut en prendre, hein, c'est pas ça, mais du coup en fait elle est très très bonne, elle est très très douce, c'est très herbal forcément, on est avec de la menthe de nouveau, de la sauge, de la camomille, du thym, fleur de sureau, fleur de tilleul, plantain. Voilà, c'est herbal, c'est vraiment très doux, très réconfortant. En fait, ça fait très longtemps que j'ai plus, parce que je suis très souvent malade, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus de pharyngite. J'avais ça tout le temps, notamment l'année dernière, les 3 dernières années, j'avais ça tout le temps, tous les 2 mois, oui, même parfois tous les mois, je me tapais une pharyngite, c'était insupportable, parce que du coup, on finit par tousser tout le temps, enfin bref. Et du coup, je passais mon temps à prendre ce calme-tout que j'ai déjà racheté plusieurs fois. Et en fait, bah, c'est pour vous dire que ça m'a beaucoup aidée. Enfin, je sais pas si ça calmait vraiment la toux, on est bien d'accord, mais ça m'apaisait, ça, c'était vraiment très très bon. En tout cas, ça rajoutait un petit peu de réconfort à ces moments pas toujours très cool. Et donc, calme toux, c'est vraiment délicieux, je vous le conseille. Et bah, voilà, si vous avez des problèmes, tout ce qui est pharyngite, enfin voilà, tout ce qui est ORL, ça aide
Je dis pas que ça guérit, mais ça aide en tout cas. On va rester avec le thé, j'ai l'impression que je suis hyper rouge depuis que j'ai ouvert au facteur, je suis désolée. On va rester avec le thé, je vais vous présenter ma tasse préférée du moment. Alors je suis Miss Tasse, hein. Je pense que vous avez vu mes tasses de Noël, j'ai fait un vlog de Noël, j'ai fait plein de vlogs dans la période de Noël, j'avais fait un vlog où je vous présentais toutes mes tasses de Noël. Je n'ai pas encore fait de vidéo où je vous présente toutes mes tasses parce que je pense que c'est une vidéo plutôt qui serait plutôt indécente hein, parce que j'en ai énormément, c'est un petit peu trop pour une seule personne comme un peu tout. Hein. Mais je voulais quand même vous présenter ma tasse du moment, ma tasse favorite, il s'agit de celle-ci. Ça fait un long moment que je l'ai hein, mais il n'y a rien à faire, je la trouve géniale parce que c'est une tasse qu'on trouve chez Nature et Découverte, elle n'est pas trop chère. Je trouve. Et en fait, c'est une tasse très lourde et surtout énorme. Donc, elle est hyper confortable. Moi, je l'aime énormément. C'est vraiment un vrai bonheur. Quand je vois que je peux l'utiliser, qu'elle est propre, je suis super contente parce que je sais que je vais passer un super moment. Je mets énormément de thé dedans. Je peux mettre un chocolat chaud bien gourmand avec pas mal de chantilly vegan là qui est délicieuse. Ben voilà, je passe toujours un vrai bon moment quand j'ai cette tasse. C'est vraiment très très réconfortant. Je suis très... Enfin, pour moi, c'est important le toucher avec les tasses. Et ici, vraiment, il y a quelque chose de spécial. Enfin bref, la fille est complètement tarée. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a un motif un peu chasse. Moi, je pense pas à la chasse quand je vois ça. Je pense à ce petit oiseau, ce petit rapace. Voilà, je pense pas du tout à la chasse. Mais en tout cas, c'est un vrai bonheur de boire dedans. Pour rester avec des boissons, je bois toujours le fameux matcha latte qui est... bah ma boisson préférée hein, je pense, j'en bois toute l'année, je n'ai pas de recette à vous proposer parce que je le fais toujours au feeling. Donc je mélange mon matcha avec de l'eau un petit peu chaude, enfin très chaude, je mélange, je rajoute du sirop d'agave et puis je viens mettre mon lait végétal en général c'est soja parce que c'est ce que je préfère. Et je viens le mettre dans mon matcha et c'est vraiment un délice, puis je viens mousser avec un mousseur à lait, enfin bref. Le matcha latte, je pense que vous en avez vu et revu dans mes vlogs de décembre. On va rester avec de la nourriture puisque dernièrement j'ai découvert chez Deleuze, ils vendent des chips vegan. En général, on prend plutôt les chips chez Farm, là, les, je sais plus la marque... les tortillas là, de chez Farm, enfin des trucs un peu bio, mais ça m'arrive parfois aussi d'acheter des chips dans les magasins de grande surface et ils ont sorti des chips kettle, je crois que c'est ça. Oui c'est ça, les kettle vegan, et ils sont vraiment très très bons, on goûte en fait ce goût de vegan cheese, donc de fromage qu'on utilise assez régulièrement quand on est vegan. Au niveau de la formulation, c'est pas le truc le plus sain au monde, mais il n'y a pas trop de produits chimiques, voilà, c'est un petit plaisir coupable que je ne vais pas acheter toutes les semaines, je l'avoue, même si pour le moment c'est le cas, mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas le truc le plus éthique au monde, mais je trouve que ça va encore par rapport à d'autres, par rapport à Lay's. Vous savez que dans les chips Lay's, il y a du lait, pas dans toutes, mais dans certains chips Lay's. C'était quelqu'un qui m'avait dit ça à l'époque, il m'avait dit mais oui, mais il y a du lait. Moi je m'étais même pas posé la question, qui va mettre du lait dans des chips? Eh bien si, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, je suis très contente, je trouve ça très bon. Maintenant on va pas les acheter toutes les semaines parce que c'est vraiment un petit plaisir coupable, un petit peu... voilà, hein, mais en ce moment, c'est souvent quand même. Pour rester dans la nourriture, je viens vous parler de deux fournisseurs de recettes. Puisque j'aime énormément cuisiner, je pense que c'est quelque chose que j'adore faire. Voilà, j'ai toujours aimé cuisiner, j'aime beaucoup improviser en cuisine. Mais c'est vrai que j'aime aussi parfois suivre des recettes. La première personne que je vénère, alors là c'est d'un coup de cœur plutôt de l'année ou des deux dernières années, c'est Jean-Philippe, de la cuisine de Jean-Philippe. C'est un monsieur canadien qui... mais qui est tellement... Déjà, il est tellement drôle, il a une chaîne YouTube que je trouve passionnante, donc je pense que pour tous les véganes qui passent par ici, bien, vous le connaissez certainement. Il a une super chouette une chaîne YouTube. Moi, je regarde ses vidéos même pas pour les recettes, je les regarde parce qu'il est drôle. Voilà, il est super drôle. Voilà, et il a sorti deux livres, je pense qu'il va en sortir un troisième. Et ce sont à chaque fois des coups de cœur. Quand je fais ces recettes, ce sont vraiment des coups de cœur. Et moi, ma recette favorite que je refais tout le temps, tout le temps, tout le temps... C'est la casserolette, évidemment, au moment où je dois vous la montrer, je ne la trouve pas. Il me semble que c'est la page 33, parce que je dois tout le temps ouvrir cette page-là. Eh bien oui, c'est la page 33, je le fais très souvent. C'est la casserolette crémeuse chou-fleur épinard, qui est une recette, en fait, à base de chou-fleur que j'avais découverte l'année passée. Je crois que je l'avais acheté juste avant le premier confinement, celui-là.
En fait, j'avais testé cette recette, c'est à base de chou-fleur, et alors la crème, c'est vraiment ça qui fait tout le repas, c'est à base de noix de cajou, et ce qu'aime bien Jean-Philippe, c'est mettre du sirop d'agave, un petit peu, non pas de ketchup cette fois-ci, du bouillon, enfin il aime bien tout ce mélange-là, il y a du sirop d'agave et du soja, enfin il y a vraiment ce mélange des deux. Bien sûr de la levure maltée, il est vraiment très très fort au niveau des choix des arômes, enfin, c'est vraiment très très bon. Et en fait, c'est la sauce, la crème qui fait tout, et cette casserolette, je l'ai faite et refaite, et en fait maintenant je suis plus vraiment la recette, je le fais un petit peu au feeling en reprenant les mêmes ingrédients selon la quantité que j'ai à la maison, et je fais plus seulement avec des choux-fleurs, enfin je fais avec ce que j'ai, et franchement c'est un vrai bonheur parce que ça va super vite, il suffit de faire la sauce, faire cuire les légumes à côté, puis on mélange tout, soit on gratine, soit on gratine pas, mais en tout cas c'est vraiment très très bon, je vous conseille. Voilà, de toute façon toutes les recettes de Jean-Philippe sont délicieuses. Tous ces tofu, même sa purée, enfin, ça ne vient jamais à l'idée de regarder une recette de purée. Et par curiosité, j'ai regardé la recette de sa purée, je l'ai essayée et je la trouve très très bonne. Et franchement, il y a vraiment du tout, hein. Curry vert, curry de chou-fleur, enfin voilà. C'est un génie ce monsieur. Voilà, et alors je voulais aussi vous partager, je vous en parle également beaucoup dans les vlogs, c'est Melovs, qui est Mélodie, qui a un compte Instagram, qui a un blog et qui a, il me semble, oui, une chaîne YouTube. C'est une fille hyper pétillante qui va présenter des recettes généralement véganes. En tout cas, dernièrement, elles sont toutes véganes et ce sont des vraies merveilles. Là, il y a la quiche que j'ai faite hier. J'ose pas vous la montrer parce que c'est pas très appétissant. Enfin, il en reste un petit morceau. Une quiche Lorraine végane que je trouve absolument délicieuse. Il y a les roulés à la cannelle, mais à la place de la cannelle, c'est du pumpkin, donc de la citrouille, du potimarron. Je les ai faits et refaits au mois de décembre et janvier, c'est délicieux, ils sont très très bons. Et alors sa particularité à Mélodie, c'est de présenter des recettes rapides, des recettes faciles où il n'y a pas trop d'ingrédients. Et elle reprend souvent les mêmes ingrédients, donc du yaourt de soja, de la crème d'amande et tout ce genre de choses. Mais c'est toujours très très bon. On va revenir à une petite créatrice, j'avais oublié de vous en parler, en fait j'ai fait une liste mais complètement mélangée tout le long du mois de janvier, février, à chaque fois que je trouvais un favori je l'écrivais et en fait bah forcément c'est le bordel hein, comme d'habitude, donc on a le thé et puis on a la bouffe et puis on a des chaussettes, donc voilà c'est le bordel, mais je vais quand même vous montrer. Un favori c'est une créatrice que j'ai découverte également. Il me semble, est-ce que ce serait la même? Non, c'est pas la même, mais c'est une créatrice qui fait des tote bags et des illustrations. J'avais envie de m'acheter un tote bag de créateur. J'ai celui de Amé Senja que j'utilise beaucoup avec le petit chat avec son chapeau de serpentard. J'avais envie d'avoir un tote bag très très automnal, vraiment tout ce que j'aime. Et je me suis acheté ce tote bag, celui-ci, voilà. C'est un tote bag que je trouve magnifique. Le nom de la boutique, c'est Lamble Little, quelque chose comme ça. Lamble Little, enfin je vous mets de toute façon en barre d'informations toutes les informations, forcément c'est la barre d'informations. Et en fait je l'aime beaucoup, j'essaie quand j'achète des tote bags comme ça de ne pas mettre trop de choses dedans parce que j'ai vraiment pas envie de les casser, j'ai une très mauvaise expérience avec un sac Dogo Harry Potter que j'avais payé la blinde sur le site Dogo et en fait il s'est cassé en une semaine parce que je mets beaucoup trop d'affaires dans mes sacs. C'est un peu honteux, il faudrait que j'aille vraiment, chez un cordonnier pour le faire réparer. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup, je le trouve assez solide, je me suis déjà acheté des livres dedans. Et enfin voilà, ça n'a pas cassé parce que vous savez, quand j'achète des livres, j'en achète pas un, j'en achète pas deux, j'en achète plusieurs. Donc voilà, il est assez solide, je trouve, au niveau de... Oui, des finitions, c'est vraiment bien solide. C'est un petit peu entoilé, c'est en coton et franchement, je le trouve magnifique, j'adore, je me pavane avec dans la rue. Voilà. Mon père ne se pavanait pas. Qui a dit ça? Mettez ça en commentaire. Alors, on va parler un petit peu beauté et bah, pas grand chose, hein, parce que honnêtement, j'utilise pas énormément de produits depuis que certains me suivent sur ma chaîne depuis longtemps. Je parle énormément de produits de beauté, mais là, depuis quelques années, j'utilise un petit peu toujours la même chose. Je n'essaie plus trop de nouveautés. Le fait de ne plus parler de beauté sur la chaîne, je vous avoue que ça m'a fait faire des efforts à ce niveau-là. Je vous en ai parlé, je pense, dans une vidéo, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je parlais de beauté sur la chaîne, j'avais tendance à surconsommer parce que je voulais absolument présenter de nouvelles choses. Et forcément, bah, j'achetais. Et bien sûr, ça s'est répercuté sur les livres, sur l'été, d'autres choses. Mais au moins, dans les produits de beauté, ça va, je craque pas trop. Donc j'arrive maintenant au bout de mon stock parce que j'avais un énorme stock de produits. À l'époque, je vous présentais beaucoup de choses et... Enfin j'achetais énormément, bon j'arrive pas au bout de mon maquillage, on va peut-être pas aller jusque là, mais en tout cas j'arrive au bout. J'ai pas vraiment
de choses absolument indispensables à vous présenter. Je voulais quand même vous présenter deux choses. La première chose, c'est que j'utilise toujours une eau florale le matin et le soir. Ça me réveille, je trouve ça hyper agréable. En général, je mets un pchit ici, flemme d'acheter une bouteille avec un pchit. En ce moment, c'est comme ça, quoi. C'est vraiment plutôt la flemme. Ça me réveille, ça m'apaise. Ça, c'est vraiment le premier acte que je pose le matin avant d'aller travailler, enfin vraiment la première chose. Et donc j'ai décidé de prendre une eau florale qui me fait du bien. Et celle qui me fait du bien, que j'aime beaucoup, c'est pas la lavande, ah non, ni la rose, c'est la fleur d'oranger. Et donc j'aime énormément utiliser cette eau florale là. Je ne sais pas si elle a un bienfait particulier sur la peau, mais en tout cas j'adore son odeur, c'est juste son odeur. Je trouve ça très très doux sur le visage, c'est vraiment hyper apaisant, hyper réconfortant et ça me motive à me lever, pas du tout, mais en tout cas, oui, j'ai essayé hein, de faire en mode publicité, mais non, pas du tout, j'ai jamais envie de me lever. Mais oui, fleur d'oranger, j'aime beaucoup. C'est vrai, un favori que j'utilise depuis longtemps, bah, vous le voyez, j'ai pas beaucoup de cheveux, hein, je vous ai déjà fait des routines cheveux il y a un moment, elles ont pas énormément changé en fait, je vous avoue. Pour mes cheveux, j'utilise pas grand chose de spécial, j'utilise toujours une serviette des tendances d'Emma qui va toujours très bien, j'utilise toujours un shampoing, j'alterne shampoing solide, shampoing liquide, parce que les shampoings solides sur ma peau, enfin, si j'utilise que ça, c'est pas très bon pour moi, enfin c'est ceux de... d'une petite créatrice belge là que j'utilise, mais enfin voilà, je vous en parlerai une autre fois s'il le faut. Et en fait j'utilise un sérum sur le bout de mes cheveux, c'est Less is More, c'est un sérum à la rose. Et en fait c'est un sérum que j'avais vu sur la chaîne de Manu au naturel, si vous la suivez, ben voilà, si vous la suivez pas, ben n'hésitez pas, parce que c'est une fille passionnante. J'ai été très longtemps passionnée de produits pour cheveux, je pense que je vous en ai également déjà parlé, mais j'avais une énorme passion pour tout ce qui est cheveux. J'étais sur un forum de cheveux, j'avais rencontré des gens même via ce forum, je me passionnais pour tout ce qui est aîné et tout ça, c'est toujours le cas, mais enfin, je suis de loin, voilà, tout ce qui se passe autour des cheveux. Et du coup, pourquoi j'étais passionnée par les cheveux? Parce que je détestais ma nature de cheveux, je voulais qu'ils soient autrement, et cette fille a mis des années avant de comprendre qu'on ne peut pas changer une nature de cheveux, tout simplement. Et je voulais quand même vous présenter ce Less is More, parce que, ayant des cheveux très très fins, du coup, comme ils sont très très fins, et que j'en ai pas beaucoup, ils deviennent très très vite poisseux, et bien avec ce produit, j'ai pas de soucis, donc j'utilise après avoir lavé mes cheveux. Quand ils sont un petit peu humides, je mets une goutte. Par contre, je mets une seule goutte et je trouve que ça vient les nourrir. Hein. C'est de l'huile, donc forcément, ça nourrit. Ça vient les nourrir, ça vient leur apporter un petit soin supplémentaire que j'aime beaucoup. Et cette fois-ci, par exemple, aujourd'hui, enfin, je vais pas faire la pub de mes cheveux parce que je sais qu'ils sont pas extraordinaires, mais aujourd'hui, j'ai lavé mes cheveux, j'ai pas mis d'après-shampoing, j'ai utilisé ça après... après les avoir un petit peu essorés. Et franchement, j'aime beaucoup. En plus, l'odeur est très agréable, je vous conseille. Et enfin, je l'ai depuis plus d'un an et enfin, on dirait que j'ai jamais utilisé, quoi. Donc, et j'aime beaucoup, et c'est un produit vegan, forcément. On va passer à tout ce qui est cocooning réconfortant. Enfin, jusqu'à présent, c'était quand même cocooning réconfortant. Mais je voulais quand même vous présenter dernièrement une petite trouvaille que j'ai faite grâce à mon amie Céline. Et si un jour tu passes par là, grâce à Anaïs, voilà, qui saura pourquoi quand elle les verra. Mais on a trouvé des chaussettes chez Nature et Découverte qui sont les chaussettes les plus chaudes que j'ai jamais testées. Étant une grande frileuse, comment vous dire que c'est super important pour moi. Ce sont ces chaussettes, j'ai parfois des fils sur mes vêtements, comme je fais de la couture, il y a des fils qui s'accrochent partout. Ce sont ces chaussettes-là. Elles sont très 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 chaudes, elles ne contiennent pas de laine, elles sont un petit peu doudou à l'intérieur, c'est vraiment une vraie tuerie. Je pense même que je vais les prendre avec aujourd'hui avec moi. Oh oui, ça me donne super envie de les mettre, elles sont vraiment vraiment très très chaudes. Je vous mettrai en barre d'informations celles qui sont antidérapantes, qui sont à l'instant sur mes pieds, que je ne vais pas vous montrer du coup. Mais je les trouve vraiment très très chaudes et c'est hyper réconfortant quand on rentre à la maison après avoir caillé comme pas possible. Pour se réchauffer, c'est un vrai bonheur. Franchement, j'adore. Et pour rester dans le doudou réconfort, un jour où je m'ennuyais, j'ai voulu m'acheter un pyjama et je suis tombée sur une combinaison. Bien, vous savez, les One Piece. Ben, moi, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Hein, les One Piece, je me suis dit, je n'achèterai jamais un One Piece parce que ça n'a pas du tout l'air pratique pour aller, par exemple, aux toilettes. Hein. Pratiquement, hein, parce que c'est... Enfin, voilà, t'as froid, quoi. Et en fait, bah non, rien à faire, j'ai craqué, quoi. Donc j'ai trouvé sur, c'était quoi, sur Zalando, enfin voilà,
J'essaie de pas faire la pub des marques de Zalando, tout ça. Bon, c'est une que Müller, mais on en trouve dans toutes les marques. Et j'ai trouvé des petits rennes. Depuis, je suis le renne de la maison, hein. Surtout depuis, j'ai acheté une peluche en renne. Donc, on a l'air ridicule. Moi, ma combinaison et ma peluche en renne. Enfin, voilà, je pense que vous avez pas envie d'avoir cette image. Mais voilà, c'est très mignon, hein. Avec une petite, des petites cornes, c'est vraiment très chou. Et en fait, mais c'est super chaud en fait. Je me suis rendu compte, j'avais super froid en hiver. Moi, il me faut pas grand chose dans la vie. Il me faut avoir chaud et ne pas avoir faim. En fait, c'est ça dans la vie. Il faut juste ne pas avoir faim, avoir chaud. Et avec ça, ben, j'ai bien chaud en fait. C'est vraiment une tuerie. Je les mets tout le temps. Voilà, j'adore. Bon, voilà. Par contre, je la mets. Pour vous dire, je la mets au-dessus de mon pyjama parce que je trouve pas ça très hygiénique. Je mets mon pyjama et puis je la mets au-dessus de mon pyjama et du coup là j'ai bien chaud forcément. Mais je suis hyper frileuse hein, donc vous saurez tout. Dernière chose, je viens vous parler avant de clôturer cette vidéo, c'est de plantes. Voilà, j'ai pas grand chose à vous présenter sinon un petit... un pas fail en fait. Petite réussite. Dans mon appartement, il y a pas mal de plantes qui se sentent bien, d'autres qui se sentent moins bien parce que c'est le jeu. Voilà, et quand on a des plantes, ça dépend vraiment de l'environnement, s'il y a assez d'humidité. Voilà, il y a des plantes qui se plaisent chez certaines personnes et qui se plaisent pas chez d'autres. Et c'est pas forcément votre faute, enfin, c'est ce que j'essaye de me dire hein, parce que je me sens parfois un peu coupable. Et il y a une plante qui va chez tout le monde, sauf chez moi. Et en fait, je me suis rendu compte récemment que c'est parce que bah, moi, j'achète des petites plantes et des toutes petites plantes. Donc, j'aime bien les voir pousser. Et j'ai jamais acheté cette plante. La fille garde un suspense quand même. J'ai jamais acheté cette plante grande ni moyenne. J'ai toujours acheté cette plante en bébé. Et ça n'a jamais été chez moi parce que forcément, il y a le choc quand elle arrive chez moi, le changement de température. Et peut-être que l'atmosphère chez moi n'est pas idéale pour cette plante-là. Bah, le fait qu'elle soit bébé, elle n'a pas assez de... Je sais pas, elle a pas assez de force, ni assez de racines, ni quoi pour survivre. Et donc, bah forcément, à chaque fois, elle crève. Ça ne va pas chez moi. C'est le Pilea peperomia... Voilà, vous avez compris, j'arrive jamais à le dire. Ce fameux Pilea peperomioides, qui est une plante, bah en fait, qui va chez tout le monde, mais chez moi, en tant que bébé, elle ne va pas. Du coup, après avoir acheté 5 fois cette plante, je l'ai déjà bouturée, hein, mais à chaque fois, les petites boutures, voilà, ça ne va pas. Elle finit par mourir. Et en ce moment, j'ai un bébé que j'ai rempoté dans un tout petit pot, je l'ai mis sous cloche et il va très bien. Donc depuis qu'il est sous cloche, j'ai l'impression qu'il va très bien. Et j'en ai acheté une autre récemment parce que je n'abandonne pas. J'en ai acheté une qui n'est pas tout bébé, qui est un petit peu plus grande qu'un bébé et c'est celle-ci. Et comment vous dire que ça fait 10 jours que je l'ai et elle est toujours en vie et c'est un miracle. Donc je pense vraiment que c'est parce qu'elle est un petit peu plus grande, donc elle est un petit peu plus forte. Peut-être que mon appartement n'est pas idéal pour elle, mais comme elle est plus forte, eh ben, elle va s'adapter petit à petit. Je ne l'ai toujours pas rempotée, j'aime bien rempoter les plantes, surtout dans ce magasin-là. Mais en fait, je crois que je ne vais pas la rempoter avant le printemps, donc dans un mois. Et en fait, ben voilà, je suis super contente, elle est encore en vie après 10 jours, c'est magnifique. Voilà, je vais la mettre de côté, mais je suis hyper contente. Alors peut-être que demain, quand je rentre chez moi, elle va clamser. Mais en tout cas, pour le moment, je suis satisfaite. Toujours avec les plantes, une autre satisfaction, c'est une alocasia. Pareil, j'aime bien avoir les alocasia, mais mes alocasias toutes petites ne vont pas très bien. Parce qu'on est en hiver, elles sont toutes petites, elles sont toutes freluquettes. Et du coup, j'ai décidé de m'en acheter une énorme qui va super bien. Ça fait que 2 semaines, je pense, que je l'ai, mais j'en suis complètement dingue. Je ne l'ai pas encore dépoussiérée, honte à moi, mais je la trouve magnifique. Elle avait une nouvelle feuille qui s'est déjà déployée. En fait, elle pousse de dingue, je n'avais même pas remarqué. Mais elle pousse vraiment de dingue, elle est sublime. Et enfin, elle a déjà poussé depuis la dernière fois, je vous l'ai montré. Enfin, vraiment, j'en suis très très fan. Donc ça, c'est au niveau des plantes. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ça fait pas mal de choses, vraiment, c'est melting pot, c'est le bordel cette vidéo. Mais voilà, je vous ai un peu présenté mes favoris du moment. C'est un petit peu des favoris réconfortants, cocooning, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à rebondir sur ce que j'ai dit. Et merci de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao !